Et bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo avec l'équipe de France. Oui, nous sommes sélectionneurs de cette équipe et nous allons commencer notre Euro 2024 de la meilleure des manières. On va affronter la Serbie dans ce groupe F qui est très relevé. En effet, notre groupe F est composé de l'Autriche, de l'Angleterre et de la Serbie et de nous-mêmes évidemment. Et j'espère que nous allons passer cette phase de poule sans inconvénient. Je pense qu'on va réussir à se qualifier en première place, j'ose le dire, même si l'Angleterre a quand même une grosse équipe, l'Angleterre qui a quand même une équipe de fou, hein. Une équipe, voilà, Harry Kane, Bukayo Saka, Phil Foden, Jude Bellingham, Declan Rice, Alexander Arnold, Chilwell, Gueye, Stones, Benjamin White et Aaron Ramsdale dans les buts. Belle équipe, hein. Jack Grealish qui est là. Par contre, ils l'ont pris, Jack Grealish, dans le FM 2024, hein. À la différence de la réalité, il y a quand même quelques joueurs qui ont été pris, hein. Rashford aussi, il y en a d'autres aussi, hein. L'équipe d'Angleterre qui pourrait faire à peu près 3 équipes, hein, s'ils ont envie, hein. Franchement, l'équipe d'Angleterre, elle a un gros potentiel à venir, hein. Je sais pas ce que ça va être cet Euro, mais je vois bien l'Angleterre performer. En tout cas, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'Euro. Je vois bien l'Angleterre performer, la France aussi, la Belgique et peut-être l'Espagne. Je miserai sur une belle perf de l'Angleterre et de la Belgique, honnêtement. Bien sûr, la France, toujours favori, on a une belle équipe, mais des fois, tu sais, à force d'être trop présomptueux, on perd un peu les pédales, nous. On perd un peu les pédales. En tout cas, nous, on est parti pour ce magnifique match et nous allons aller directement en conférence de presse. Évidemment. Ok, lançons les hostilités, c'est parti. Votre premier match vous oppose à la Serbie, une équipe considérée comme la plus faible du groupe. Est-il important de reporter ce genre de rencontre en sachant que tous vos matchs ne seront pas aussi faciles? Écoutez, oui, peu importe qui nous affrontons, même s'il est vrai que c'est une bonne occasion pour nous de partir sur une bonne base. Voilà. Quelle importance de bien débuter la phase de groupe avec une victoire? C'est très important pour nous de bien figurer. Que pensez-vous des commentaires selon lesquels sélectionner une majorité de joueurs évoluant à l'étranger pourrait être nuisible pour le football national? Mais dans ce cas-là, on sélectionne personne! On sélectionne personne, ok? Les meilleurs joueurs sont à l'étranger, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En première ligue? Bah voilà. Je ne peux que regretter la situation. Fier de voir tant de joueurs formés dans le pays réussir à l'étranger. Voilà, bim. Le moral semble au beau fixe au sein du groupe. Vous devez espérer faire de bonnes... Oui, bien sûr, on a hâte d'y être. Envisagez-vous d'appeler Boubacar Kamara en sélection comme le souhaite son entraîneur Unai Emery? Ah, écoutez, Bouba, le problème, c'est qu'il était blessé, hein. Bouba, il était blessé, la compétition est grande et les places peu nombreuses. Je ne peux pas accepter qu'on sous-entende qu'il y aurait un parti pris en faveur de quelques clubs. Nous observons énormément de joueurs et je vous garantis que si un joueur a un niveau international, ça ne nous échappe pas. Voilà. Le joueur s'adapte-t-il bien à la vie dans l'hôtel? Oui, bah écoute, le moral est au beau fixe, hein. Olivier Giroud est devenu le joueur le plus âgé à évoluer sous le maillot de l'équipe de France. Quel hommage peut-on rendre à un joueur aussi régulier pendant si longtemps? Eh bien écoutez, je pense qu'Olivier Giroud, le mal-aimé, a été vraiment exceptionnel avec l'équipe de France. Hein, souvent, il a performé avec l'équipe de France et des fois un peu moins en club, hein, comme quand il était du côté d'Arsenal. Mais franchement, les gars... Depuis qu'il est chez nous, franchement, il est monstrueux. Là, avec le Milan AC aussi, il performe. On est très content d'Olive. Hein. Olive, c'est notre star en attaque. Hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Au-delà des Kylian Mbappé et tout ça, c'est pas du bling bling, Olive. Olive, c'est de l'efficacité. Voilà. Il est tout à fait remarquable. Au vu de la bonne forme de Mikel Olise sous le maillot de Crystal Palace, beaucoup se demandent s'il continuera à représenter l'Angleterre ou choisira plutôt la France. Pensez-vous pouvoir le convaincre de changer de sélection? J'admire depuis longtemps et je pense qu'il pourrait avoir une superbe carrière internationale avec nous. Voilà, exactement. De nombreux observateurs et pronostiqueurs font de votre équipe de la France le favori pour remporter le championnat d'Europe. Si on nous donne favori, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'on est bon. Et voilà, tout simplement. Oui, tout à fait. Même un effectif fourni peut souffrir de nombreuses blessures. Oui, c'est assez juste. Quel est le sentiment général concernant la présence des médias et la pression sur les joueurs lors de ce tournoi? Je peux vous assurer que tout se passe comme prévu et que les joueurs sont très heureux. À bientôt. Merci pour cette conférence de presse. Voilà, je pense qu'on a fait le travail de sélectionneur. Je pense que Dédé serait fier de nous. On a été très bons en com. Il refuse de parler du parti pris en sélection, bien sûr. Une bonne nouvelle pour Camara. Une ex-star de l'équipe de France demande de la concentration. Écoutez, Samba confiant. Samba banquette surtout. Samba banquette. Mike Maignan dans les buts.
On va faire un petit point sur notre tactique et sur notre effectif qui va affronter la Serbie. Mais en tout cas, putain, on a l'Angleterre, quoi. On va vite être fixé sur l'Angleterre. Ça va être tendu du cul. Alors voilà, pour ce match, les amis, nous allons sélectionner cette équipe-là. Giroud en attaque, Mbappé côté gauche, Griezmann en milieu offensif, Dembélé côté droit, Kamavinga, Kefren Thuram, la petite surprise au milieu de terrain, avec Théo Hernandez, Upamecano, Saliba et Klos pour la défense à venir, et Maignan dans les buts. Je pense que là, on aligne une équipe performante. Alors oui, pourquoi Kefren? Alors pourquoi Kefren? Parce que Kamavinga est quand même petit, 1m82, il n'est pas petit petit. Petite détente verticale à 12, un jeu de tête à 14, il est bon. Mais avoir un Kefren Thuram à côté, ça rassure. 1m92, 15 ans de détente verticale, 12 en jeu de tête. Il a du dribble, il a du ballon, il a de la passe, il a tout pour être un excellent et un grand joueur dans ce milieu de terrain de l'équipe de France. Et je pense qu'il est sous-évalué, sous-coté. J'ai très confiance en lui. Mais au cas où, nous avons quand même le petit Kanté, oui, rien que lui, qui pourra échanger avec Kamavinga. Et le Warren Zaïre Emery aussi, qui pourra rentrer en jeu. Mais on voit que quand même, ils sont petits relativement au milieu de terrain. Évidemment, on regrette la perte de Tchouaméni dans ce milieu qui est blessé et du coup qui peut pas nous accompagner. On va laisser au repos Jules Koundé, Areola et Pavard. Et on va du coup se lancer dans cette petite équipe. Alors moi j'ai décidé que à la place de Klos, si jamais il y a blessure ou il y a un problème, on mettrait Ferland Mendy. Ferland Mendy qui peut jouer des deux côtés à la place d'un Jules Koundé par exemple. Mais je sais pas si je fais bien. C'est vrai que Ferland Mendy, il peut jouer des deux côtés. Après, bon, c'est pas non plus une réussite, quoi. Je sais pas si je l'intégrerai dans le groupe là. On pourrait laisser Rabiot. C'est vrai qu'on a Rabiot aussi au milieu de terrain, hein, j'ai oublié. 1m88, une belle détente verticale. Rabiot qui serait en vrai le titulaire à la place de Kefren. Mais si je mets ça, je vois déjà des Belges s'alarmer et me dire que c'est pas bien. Mais Rabiot, on le mettra pour les gros matchs. Chut, faut pas le dire. Et Nabil aussi qui pourrait rentrer. Ouais, je sais pas trop qui laisser sur le carreau là. Peut-être un Brice Samba qui, de toute manière, non, on n'a pas besoin d'un deuxième gardien. Un Jules Koundé qui pourrait rentrer. Allez, je le mets. Allez, c'est parti, on part comme ça, les gars. Oh là 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 là, ça va être chaud patate, les gars, ça va être chaud patate. Kylian Mbappé soucieux. Les joueurs ne sont d'accord avec la feuille de match choisie aujourd'hui. Ils sont pas d'accord? Comment ça? Comment ça, vous êtes pas d'accord? Comment ça, ils sont pas d'accord, Kylian Mbappé? Ils sont pas d'accord avec les... On joue un match de Coupe d'Europe, les mecs, ils sont pas d'accord d'être titu? C'est ça? C'est ça le problème? Ils pensaient que face à la Serbie, j'allais faire tourner direct? Que nenni! Que nenni! Nous n'allons pas faire tourner. Non, non, non. Que nenni. Oh là là, que non. Oh là là, que non. On a une belle équipe, hein, les gars. On a une belle équipe. Moi, ce que je vous propose, les gars, c'est de partir là-dessus. C'est de partir là-dessus, les gars. Avec une belle entrée sur le terrain de notre équipe. Allez, c'est parti pour ce match. Attendez, temps mort, les gars. Premier match de la Coupe d'Europe. On peut pas partir comme ça. Moment clé. Ça va être un long résumé, les gars. Clac-clac. On va partir sur des longs résumés pour ce match de Coupe d'Europe. On va bien sûr encourager notre équipe. Et nous allons également... voilà, clac-clac-clic-clouc. On est pas mal, là. Instruction, on est bon. Clac-clouc, normalement, c'est bon. On fait nos petits derniers réglages. Allez, c'est parti. Let's go, baby. Pour ce match de l'équipe de France, au sommet, Grisou pour Ousmane, Saliba côté droit, Saliba qui s'infiltre, Saliba pour Olivier Giroud, je crois que c'est son 60e but international, les amis, une passe de Saliba monstrueuse, oh là 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 là, c'est beau ça, on aurait pu faire péter l'hymne national, les gars, j'aurais pu mettre la Marseillaise, c'est vrai. Au début du match. Peut-être qu'on le fera pour les prochains matchs. Oh là là, bien, magnifique. Allez, face à la Serbie, 1-0. Olive qui nous gratifie son 60e but. Et ça fait plaisir. Attention, Radonjić. Tadic. Kostic. C'est tout des Hitch. Kostic. Côté gauche. Et Klos. Autoritaire. Jonathan. Oh là là. Je l'adore, Jonathan Klos.
Kostic, attention, qui récupère la balle. Mike Maignan pour l'intervention. Mike Maignan dans les airs, très très bon. Le Mike. Mikey, très bon. Avec Théo Hernandez. Ça relance à la main. Théo Hernandez pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, le capitaine aujourd'hui. Kylian Mbappé qui donne au centre pour Kefren Thuram. Kefren Thuram. Kefren Thuram. Kefren Thuram qui voit bien Ousmane Dembélé. Qui rentre dans la surface pour Grisou. Grisou, oh l'arrêt de Petrovic. Oh là 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 là. Allez, corner. Grisou, applique-toi. La patte gauche de Grisou. Allez, patte gauche de Grisou. Oh, c'est bien tiré. Oh, c'était sur Olive. Oh, Saliba. Oh, pénalty. Pénalty. Ah, il siffle pas. Il siffle pas. Il fait pas appel à la VAR. Une honte, une honte. Ousmane Dembélé. Allez, Ousmane pour Kefren Thuram. Par-dessus là, Kostic qui peut récupérer. Kostic. Radonjić. Radonjić, il joue où là? Il joue au milieu de terrain. Grulic. Grujic. Plavic. Cic. Kiliwilic. Théo Hernandez qui récupère. Attention, Marcinovic. Valovic. Attention, la frappe. Oh, Mike qui se couche bien. Attention, attention à ne pas surjouer. Attention. L'équipe de Serbie est forte. Faut pas les sous-estimer. Gudelj. Palovic. Grulic. Vlaovic. Vlaovic. Attention, Vlaovic. Vlaovic hors jeu. Vlaovic hors jeu. Dépense dans l'équipe de France qui a du mal à rentrer dans le match quand même, même s'ils mènent 1-0. Ils ont du mal. Allez, Théo Hernandez, Kamavinga à se procurer des occasions franches. Kylian Mbappé, côté gauche. Allez, mon Kiki. Kiki qu'on voit pas trop. Hein. Kefren Thuram. Kefren Thuram pour Jonathan Klos, le côté droit qui est très performant. Kostic. Ok, ça va revenir. Upamecano. 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 Upamecano pour Théo Hernandez. Théo Hernandez, ça passera pas. Ça récupère. Kamavinga qui récupère mieux terrain. Upamecano. Upamecano qui va s'enfermer un peu côté gauche. Qui va donner à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé côté gauche. Kiki qui peut faire des merveilles. Kiki, la petite balle piquée. Ça va revenir sur Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui remet derrière sur Jonathan Klos. Jonathan Klos qui s'affiche dans la surface de la passion. Attention, Jonathan Klos et Kylian Mbappé. Kiki national, notre Kiki. Notre Kiki qui est présent et qui marque un magnifique but avec un Jonathan Klos de gala. Hein, j'ai envie de vous dire, hein, Jonathan Klos de gala qui s'infiltre comme ça dans la surface. Hop, la petite balle. Et là, il n'y a plus qu'à terminer. Et par contre, leur gardien de but, là, Petrovic, là, qui s'est complètement chié dessus. Eh bien, écoutez, on accepte. On félicite l'équipe de France. Voilà. Si ça se passe bien, on fera beaucoup de changements. On fera tourner en vue de l'Angleterre, évidemment. Hein. Pas trop fatiguer les organismes. Kostic. Ok. Ousmane Dembélé qui récupère ça. 11e minute de jeu. Déjà 2-0 pour l'équipe de France. Ça se passe plutôt pas mal ce début d'Euro, les amis. J'ai l'impression que l'Euro, on commence déjà à être plutôt bien. Je suis assis dans le fauteuil du sélectionneur. Plutôt très bien. Upamecano. Pas pour Jonathan Klos, pour Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, j'en attends beaucoup d'Ousmane. Ousmane qui n'est pas non plus, qui nous a pas fait les matchs amicaux extraordinaires non plus. Je trouve qu'Ousmane, il pourrait apporter plus, même si des fois il joue bien, je le dis pas. Mais là, il peut, voilà, de la percussion. Nous, ce qu'on veut, c'est du jeu léché. Upamecano, côté gauche. Upamecano. Upamecano qui s'est un peu enflammé, hein. Dépassement de fonction. Par contre, là, au milieu de terrain, là, les gars en attaque, il y avait deux. C'était du 2 contre 1. Radonjić, heureusement que c'est des pompes à vélo. Ok. Allez, 3 tirs pour la France. 3 cadrés, 2 buts. On est bon au niveau des stats. Jonathan Klos. Kefren Thuram au milieu de terrain qui fait du bien aussi, j'ai l'impression, hein, avec sa taille. Allez, William Saliba. Kefren Thuram là. Regardez-moi cette saucisse. Allez, Kefren. Un joueur que j'apprécie énormément, hein. Upamecano. Pour Kefren Thuram. Kefren Thuram. Kefren Thuram, la grosse frappe de Kefren qui sera pour personne. Qui sera contré. Vlaovic en attaque. Attention à Vlaovic, hein. Très bon joueur. Très bon attaquant, Vlaovic. Upamecano. Mais oui, arrache-lui les tibias. C'est ça que je veux voir. Ça, c'est bien, ça, mon Upamecano. Dayo. Jonathan Klos pour le coup franc. Oh là là, Petrovic qui peut intercepter ça. Dommage. C'est dommage. 21e minute de jeu. Petrovic. Attention, la relance très longue sur Vlaovic. Oh là là, Théo Hernandez, l'intervention magnifique, masterclass. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé par-dessus la défense. Mais Giroud qui a sorti la charrette. Évidemment, c'est pas trop son jeu en profondeur comme ça. Hein. Jonathan Klos, côté droit qui percute. Jonathan Klos qui fait beaucoup d'efforts, hein, dans ce début de match. Griezmann, Grisou. Grisou, le tour de Grisou pour Kylian Mbappé qui est nul de la tête. Dommage, c'est sa seule faiblesse à Kiki, c'est de la tête. Faut qu'il s'améliore la tête, hein. Faut qu'il mette des têtes à l'entraînement. Allez, Kiki. Kiki pour le corner.
Kylian Mbappé, pourquoi c'est lui qui tire le corner, on sait pas. Grisou, la petite balle piquée pour Douya, tant pis. Kostic pour Tadic pour Gulej, Pavlovic, Marcinovic, Vlahovic. Et Kamavinga qui peut récupérer ça avec Kylian Mbappé. Le contre-avenir de l'équipe de France. Kamavinga qui fait le show. Kamavinga qui peut donner à Jonathan Clauss. Jonathan Clauss qui réussit à éviter Kostic. Attention, Jonathan Clauss côté droit. Jonathan Clauss le centre à venir peut-être. Non, il remet sur Kefren Thuram pour Jonathan Clauss. Jonathan Clauss pour Kefren Thuram. Kefren Thuram qui pousse un peu trop le ballon mais qui récupère la grosse frappe de Kefren. Et Petrovic qui détourne. Wouh, c'est chaud patate. Attention, Kylian Mbappé pour le corner. Kylian Mbappé dans le corner de la boitasse. Ça va venir sur Grisou pour Kiki. Oh Kiki, Pénalty. Il n'y a pas péno. 24e minute de jeu. Kefren qui récupère. Je vous ai dit de la tête, ça va être vraiment un pilier le Kefren. Théo Hernandez côté gauche. Jamais on l'a pas assez vu là, Théo Hernandez. Percuté côté gauche. On voit beaucoup Jonathan Clauss, mais moins Théo. Oh Théo, fais pas de la merde s'il te plaît. Allez Théo Hernandez qui passe. Théo Hernandez avec la puissance. Et Grisou. Et le but de Grisou. Ça c'est beau ça. Théo Hernandez, on l'a pas assez vu, mais quand on le voit, ça percute, ça a de la puissance. Voilà le taureau. Voilà le Théo. Plavic qui avait bien évité ça. Théo Hernandez qui passe en puissance, on le voit là. Et Grisou, voilà, il avait déjà armé sa frappe. Très très beau ça, félicité. Allez, c'est très bien ça. Plavic, j'ai l'impression que la Serbie, on est en train de les défoncer là. Allez, on leur explique le football, c'est ça qu'on veut voir. Vlahovic, on fera tourner l'effectif hein, la deuxième période. Oh, on rentre bien dans notre euro, ça j'aime bien. Jeu très offensif. Kostic, attention quand même. Hein. Attention au contre. Ouais, c'est pas mal fait ça, Saliba. Très bien fait ça, mon Saliba. Pour Kiki. Kiki, voilà, temporise tranquille avec mon Théo. Théo, Kiki, faut que ça. Oh Théo encore. Peut-être la frappe, non? Jonathan Clauss sur le côté droit, ça décale. Oh, pour Kylian Mbappé. Oh là là, au second poteau, il avait vu Kiki. Bon, Kiki qui a marqué son petit but aussi. Grisou, Kiki, Giroud. Nos trois attaquants ont marqué. Manque plus qu'Ousmane. Kefren Thuram. Oh là là, Goudel aussi. Kefren sur corner, ça peut être sympa de l'avoir. Oh, Kiki qui fait un effort défensif, on l'a jamais vu faire ça. Kiki qui a failli récupérer le ballon. Incroyable, 7 tirs, 5 cadrés pour l'équipe de France. Mike Maignan, ça revient avec Jonathan Clauss, côté droit. Jonathan Clauss avec Ousmane Dembélé. Kefren Thuram. Oh, le Kefren par contre au niveau de la passe, ça c'est pas ça hein, mon Kefren. Kefren pour Saliba. Enfin, Saliba qui récupère. Théo Hernandez, Giroud pour Mbappé. Mbappé qui fait l'effort. Mbappé côté gauche. Mbappé qui percute. Mbappé qui se fait piquer balle par Milinkovic. Faut mettre Hitch à la fin de toute façon. Kamavinga pour Kefren. Kefren peut-être la frappe. Oh, la frappe passe de Kefren. Le boulet de canon, ça sera un corner tiré par Kylian Mbappé. De la gauche vers la droite. Attention. Saliba, on a Giroud, Saliba au premier poteau. Oh, ça va être pour Giroud peut-être. Kefren qui a essayé de récupérer la balle. Oh là 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 là. Goudelj qui contre la frappe. Ça va être un corner de droite à gauche pour la patte gauche de Grisou. Allez mon Grisou, léché. Sur Giroud là, au premier poteau, ça serait bien. Oui mon Giroud. Oh là là, je l'avais annoncé. Et Giroud qui a pas mis assez de puissance. Petrovic qui intercepte. Attention à ça. Giroud qui peut éloigner. Kylian Mbappé pour le contre. Oh, il adore ça. Oh mon Kiki. Attention. Pour Ousmane Dembélé. Seul face au gardien. Oh, il rate ça, Ousmane. Oh mon Ousmane. Tu peux pas rater ça, mon Ousmane. Le 1 contre 1 face à Petrovic. Il a tiré de loin. Il aurait pu s'approcher ou dribbler le gardien. Kamavinga. Oh, c'est un peu moumou ça, hein, Kamavinga. Attention, Radonjić. Clauss qui récupère. Bien ça. Défensivement, c'est solide, hein, l'équipe de France. Théo Hernandez. Upamecano Saliba. Très très content du duo. Il faut que ça joue ensemble pour qu'ils aient des repères. Allez, Jonathan Clauss, côté droit. Jonathan Clauss qui percute. Jonathan Clauss, grosse satisfaction de l'équipe de France. Le sort de Jonathan Clauss. Ça va être sur Plavic qui peut récupérer. Théo Hernandez qui récupère ça au milieu de terrain. Allez, on pose le jeu. Kamavinga pour Kylian Mbappé côté gauche. Kylian Mbappé qui percute. Attention pour Giroud. Giroud pour Kefren Thuram. Oh là là, il l'a glissé le petit Kefren. Bravo mon Kefren Thuram. Voilà la surprise de l'équipe de France. Premier but international avec l'équipe de France, Kefren Thuram. Enfin les gars.
Ah, c'était beau. J'ai bien aimé ce qu'il a fait, Kylian. Il se joue de Plavic. Et là, hop, petite balle. Giroud en attaquant pivot. Kefren Thuram qui la glisse. Et Petrovic qui ne peut rien faire. C'est magnifique. L'équipe de France qui déroule face à la Serbie. Maximovic. Gudelj. Pavlovic. Upamecano. Mbappé. Kamavinga. Ok, c'est bien fait. 12 tirs, 7 cadrés. Allez, Kostic. Attention. Radonjić, côté gauche. Radonjić, côté gauche. Tadic. Gudelj. Tadic, attention. Attention à Tadic. Hein. Très, très bon joueur. Tadic, Vlahovic devant, là. Ça peut faire des différences hein, quand ils ont le ballon. Il faut les priver de ballon, ces gens-là. Saliba. Jonathan Klos, côté droit, qui percute encore. Jonathan Klos qui fait beaucoup d'efforts hein, dans ce match. Jonathan Klos, le centre magnifique sur Kylian Mbappé. Petrovic qui intercepte. Jonathan Klos qui est très, très bon. Hein. 7.6. Très bon. Ce qui est moins bon, tu vois, c'est Upamecano. D'ailleurs, il est un peu blessé, là. Il manque un peu de... Peut-être qu'il était un peu blessé avant le match. Enfin, pas un peu blessé, mais qu'il était un peu hors de forme. Faudra lui donner un peu de fraîcheur. Upamecano, attention d'ailleurs, face à Vlahovic. Upamecano. Oh, Upamecano qui avait bien accompagné Vlahovic pour le forcer à prendre un angle. Allez, Tadic au corner. Attention à Tadic. Attention à la patte gauche de Tadic. Tadic dans la boîte. C'est bon, c'est récupéré. Gudelj. Kamavinga qui récupère. Allez, Kamavinga qui a du champ. Kamavinga encore. Kamavinga. Pour Ousmane Dembélé. Qui peut faire une différence côté droit. Mais Ousmane Dembélé qui a décidé de rentrer dans les vestiaires. 43e minute de jeu. Hein. T'as encore du temps, Ousmane. Hein. T'inquiète pas. Hein. Ousmane qui a envie d'aller se taper une petite bouteille d'eau, là, une petite cristalline. Hop, placement de produit, c'est cadeau, les gars. C'est cadeau. Allez, Thuram pour Saliba. Saliba très très bon. Hein. Saliba dans ce match-là, 7.9 pour Saliba. Giroud pour Klos. Allez, Jonathan Klos encore sur son côté droit. Qui met le feu à la défense serbe, côté droit. Kefren Thuram pour Kamavinga. La grosse frappe de Kamavinga et Petrovic qui détourne. Oh, le côté droit, Ousmane Dembélé, Klos, ça fait des diffs. Hein. Allez, Kylian Mbappé pour le corner. Pour Olivier Giroud qui détourne et ce sera Petrovic qui récupérera ça. Bon, écoutez, mi-temps, très très bonne première mi-temps de l'équipe de France. On a vraiment très bien joué. On a été excellent dans tous les domaines. J'aime beaucoup ce qui se passe. On va les féliciter tout simplement. Allez, Jonathan Klos, on va leur laisser encore 5 à 10 minutes de jeu. Jonathan Klos qui va sortir, je pense, ou Upamecano aussi. On va préserver les organismes. Hein. Attention, Griezmann. Pour Maximovic, Radonjić. Kostic, côté gauche, Kostic. Pour Tadic. Et Klos qui récupère. C'est bien fait, mon Klos. Ousmane Dembélé. Ousmane. Et attention, Plavic. Plavic, Kylian Mbappé qui récupère ça. Kiki pour Ousmane. Ousmane pour Klos. Allez, Klos pour Grisou. Grisou. Oh, c'est dommage, il aurait redonné à Klos directement. Pour Olivier Giroud par-dessus la défense, attention. Oh, Olivier Giroud, Théo Hernandez. Théo Hernandez la frappe. Oh, c'est détourné. Et Petrovic qui intercepte. Putain, la frappe détournée, c'était chaud patate pour lui. On va donner un peu de temps de jeu à Marcus Thuram. Christopher Nkunku aussi. Peut-être qu'il va rentrer à la place de Grisou. Ça peut être pas mal, ça. Dayo Upamecano, on va mettre un petit. Lucas Hernandez, je pense. Voilà, ça peut être pas mal. Jonathan Klos, Jules Koundé. Voilà, on va préserver les organismes. Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani qui va rentrer. Pouah, l'équipe de France quand même. Et ça sera pas mal. On va rester là, comme ça. On va faire tourner. Tadic, attention par-dessus la défense. Tadic, oh, il prendra le poteau. Oh, le Tadic qui prend le poteau, attention. Jonathan Klos, qui peut écarter ça. Jonathan Klos pour Grisou. Grisou pour Giroud. Voilà, tranquillement. Allez. Théo Hernandez pour le coup franc. C'était pas un corner. Kolo Muani. On change pas le milieu de terrain, ça a l'air de bien fonctionner. Kolo Muani encore. Kolo Muani. Oh là là, Nkunku qui peut donner à Théo Hernandez. Il aurait pu frapper Nkunku. Vlahovic pour Tadic. Attention. L'attaque de la Serbie. On est à 4-0, hein, les gars. C'est plutôt pas mal. Je vais quand même baisser la ligne défensive un petit peu, les gars, histoire de pas se faire surprendre. On baisse un petit coup la ligne. On baisse un petit coup la ligne, les gars.
Consigne. Kostic. Maximovic. Oh, ça va être récupéré par Christopher Nkunku. Allez, Nkunku qui a beaucoup à prouver. Il a été blessé pendant longtemps. Le petit Christopher Nkunku. Mais je l'adore, ce joueur. Grujic. Mbappé qui récupère. Oh, le geste défensif d'Mbappé. Oh, le geste défensif qui fait lever la foule. Si Mbappé commence à défendre, alors où va le monde? Vlahovic. Attention, là, il nous prive de ballon, là. Oh, Christopher. Oh, Christopher. Pour Colomoigny. Colomoigny pour Kefren Thuram. Ah, c'est au moment Kefren. Oh, non. Ah, non, c'est Thuram, Marcus Thuram. Les deux frères sur le terrain. Marcus Thuram. Oh, les deux frères sur le terrain. C'est incroyable. Qui l'eût cru un jour de voir les deux Thuram en équipe de France jouer ensemble? Colomoigny. Avec les deux Hernandez, on a les deux frères Hernandez, les deux frères Thuram sur le terrain. C'est pas incroyable, ça? Combien de sélections peuvent se targuer d'avoir deux frères comme ça, là? Koundé pour Nkunku. Nkunku. Oh, Nkunku qui fait des choses, hein. Il tente des choses, il nous propose du jeu. Allez, 4-0 pour l'équipe de France. 57e minute de jeu. Christopher Nkunku. Christopher Nkunku pour Kefren. Oh, c'était bien tiré, ça. C'est dommage. Elle était Hernandez. Pour Kamavinga. Kamavinga pour Théo Hernandez. Théo Hernandez, la petite balle piquée par-dessus la défense. Thuram, ça revient pour Koundé. Koundé, ça sortira en sortie de but. Ah non, ça sortira en corner. Parfait. Corner pour l'équipe de France. De la droite vers la gauche. Christopher Nkunku au corner. Christopher. Hop, dans le paquet encore. Kylian Mbappé qui remet dans le paquet. Et Petrovic qui intercepte. C'est bien fait, ça. 59e. Allez, Tadic. Tadic dans le paquet aussi. Oh, ça va revenir. Colomoigny pour le contre. Allez, Randall pour le contre. Il est très rapide. Allez, Randall. Il se fait bien quand même poursuivre par Guledj. Attention, Randall. Colomoigny qui percute. Randall. Oh là là, dommage. Le centre à terre qui passera pas. Saliba qui peut récupérer ça. Kefren Thuram pour par-dessus la défense pour Colomoigny qui a dans la première intention que donne à Thuram. Et Vlahovic. Il y aura hors-jeu de Marcus. De Kukus. Allez, Jules Koundé. Côté droit. Jules Koundé qui peut donner à Christophe Nkunku. Oh, penalty! Péno! Ouais, pas Péno. Allez, Jules Koundé, côté droit. Il va donner à Christopher Nkunku. Pour Jules Koundé. Le centre de Koundé. Pour Kylian Mbappé. Oh, qui a failli marquer de la tête. Allez, mon Kiki, tranquille. Là, les gars, on va peut-être baisser un peu le rythme. Hein. On va baisser le rythme. On va faire des passes plus directes. On baisse le rythme. Tranquille. On mène 4-0. Ça sert à rien de tuer nos organismes. Théo Hernandez pour Kylian Mbappé. C'est un match dans la facilité, là. Colomoigny. Allez, Colomoigny. Oh, dommage, il aurait donné à Marcus qui était parti dans le dos de la défense. Jules Koundé. Oh, pour Colomoigny, ça s'est très bien joué. Pour Kefren, pour Thuram. Oh, putain, mais Kefren, à chaque fois je vais l'appeler Kefren. Donc c'est Marcus. Ça va être compliqué, là, avec les deux Hernandez, les deux Thuram. Grujic. Plavic. Attention, ouais, ça récupère par Kylian Mbappé. Plusieurs gestes défensifs de Kiki qui fait l'effort défensif, c'est beau, ça. Saliba. Jules Koundé. Pour Colomoigny. Colomoigny qui a envie, hein, de montrer. Colomoigny côté droit. Colomoigny pour Koundé. Koundé pour Colomoigny. Colomoigny qui donne à Kamavinga qui va peut-être frapper. Oh, la frappe de Kamavinga sur la barre transversale. Oh là 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 là, c'était tellement mérité, ça. On félicite l'équipe. Théo Hernandez pour Kamavinga. Tout de suite. Pour Kylian Mbappé qui sent tout de suite. C'est récupéré par Guledj. Mitrovic. Pour Plavic. Pour Maximovic. Tadic. Radonic. Jules Koundé qui récupère. Mike Maignan. Ça reviendra tout derrière. Théo Hernandez. Tranquille. Lucas Hernandez 6.5. Il fait pas un très bon match, Lucas Hernandez. Mbappé. Théo Hernandez pour Lucas. Pour Thuram. Thuram pour Koundé. Allez, Koundé. Koundé qui est bien rentré dans son match aussi, côté droit. Il ne fait pas des choses extraordinaires, mais il fait le taf. Un peu moins percutant qu'un Klos. Je préfère passer par Randall Colomoigny à chaque fois, mais c'est plutôt bien. Il y a des doublements qui sont bien faits. Attention, Kostic côté gauche. Oh, pour Mitrovic. Oh, et Mike Maignan qui est bien attentif et qui peut détourner ça encore. 74e minute de jeu. On voit que l'équipe de France a baissé un peu en intensité, ça fait du bien. Ok, Saliba. On aurait bien aimé marquer un cinquième but. Histoire de dire que les remplaçants aussi sont là. Pourquoi pas un petit Marcus Thuram?
ou un petit Randall. Nedeljkovic. Nedeljkovic. Gulej, attention. Attention à ça. Oh, ça a failli être intercepté. Marcimovic, attention. Kostic côté gauche, là, qui peut rentrer dans la surface. Et Koundé qui intercepte. C'est très bien fait, ça. C'est très bien fait, mon Koundé. Allez, allez, pressing Koundé. Bien, mon Koundé. Bien, mon Koundé. Voilà, c'est plus défensif que Klose, Koundé. C'est plus défensif, ça se voit. Ça se sent. Tadic pour le corner. La patte gauche. C'est écarté par l'équipe de France. Tadic. Tadic. Pour Mitrovic. Et ça sera un petit hors-jeu. Allez, 77e, 78e. On est bien. On est calé sur les appuis. Nkunku pour Théo Hernandez. Colomwani. Saliba. Mitrovic. Mitrovic pour le contre. Attention. Attention au contre. On est bien en place. L'équipe de France bien en place. Nedeljkovic. Théo Hernandez. Ok, c'est bien. 16 tirs, 4, 10 cadrés. Attention à ça. Christopher Nkunku. Pour Théo Hernandez. Oh là 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 là. Dommage. C'était chaud. Allez, Kylian Mbappé. Mbappé, dans la boîte. Christopher Nkunku qui va y récupérer ça, côté gauche. Christopher. Qui dribble. Lukic qui écarte ça. Théo Hernandez qui peut récupérer. Allez, Théo pour Lucas. Peut-être, non, pour Saliba. Saliba pour Koundé. Koundé, côté droit. Allez, mon Koundé. Koundé, côté droit. Ça percute. Koundé, le centre de Koundé. Ça serait un peu nul. Kefren Thuram pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, 83e minute de jeu. Quelle frappe de Kiki. Le Capi. Il est là, le Capi. Il est là, le Capi. Il est là. Ok, bah les gars, écoutez. Tranquille. On va gagner du temps. On est tranquille, 83e minute de jeu, on est bien. Tranquillou, les gars. Radonjić. Théo Hernandez pour Christopher Nkunku. Christopher. Christopher pour Mbappé. Mbappé pour Kefren. Peut-être, genre, ouais, parfois comme ça, on va mettre. Peut-être pas le mettre à fond. Christopher Nkunku, oh la frappe, il a décidé de tirer direct. Il a raison de tester, 5-0, on est bien. Deux buts de Kiki. Kostic, Tadic, Mitrovic, attention Radonjić, attention à cette attaque, Radonjić, Radonjić pour Lukic, ok très bien, ça Koundé qui est très fort hein, défensivement là, il fait du bien sur cette fin de match, le petit Jules Koundé, on pourra faire un petit défilé dans les vestiaires, un petit défilé de mode là pour fêter la victoire, Tadic. Attention à Goudelj, ça va revenir peut-être là avec Pavlovic et Mike Maignan qui n'a rien à faire puisque ça partira loin dans les tribunes. Très très bien Mike. Hein. Mike, la valeur sûre dans les buts. Noté 7. Hein. Allez, Saliba. Saliba, très bon match, 7.8. Mauvais match de Lucas Hernandez par contre. Colomwani, il est bien rentré dans son match aussi. Et Kefren Thuram, il apporte beaucoup de vivacité en attaque. Allez. On n'a pas vu trop Marcus aussi. C'est dommage. Hein. On a plus vu Olive que Marcus. Mitrovic. Mitrovic, attention pour Radonjić. Radonjić. Oh, Saliba qui peut écarter. Oh, ils ont failli marquer un but. Hein. Ce serait bien de faire un petit clean sheet là. Marcus Thuram. Attention, ça va être intercepté. Part sur la défense. Thuram. Pour Koundé. 19 tirs, 12 cadrés. 6 tirs pour la Serbie, un cadré. Jules Koundé, Colomwani. Colomwani pour Jules Koundé. Le centre de Jules. Allez, 92e minute. Et c'est terminé avec une victoire de l'équipe de France pour son entrée en lice dans la Coupe d'Europe. Félicitations à tous. Franchement, grosse presta. Félicitations. Très belle entrée en matière face à la Serbie. Ça aurait pu être un match piège. Ça ne l'a pas été. Parce que vous avez montré de la volonté. Bravo les gars. On est très content, on a très bien débuté, très très bien débuté. Écoutez, très bon dans ce groupe F. Ce groupe F, du coup, on a gagné 1-0, on a gagné 5-0. On va regarder ce que vont faire les autres équipes. Stojkovic peut bavard, ben tu m'étonnes. Grande forme pour Kylian Mbappé, c'est parfait. Les petites questions, c'est bon, ça on s'en fout, on ira en conf plus tard. On a l'Angleterre hein, qui va jouer. Ouh, l'Angleterre qui gagne aussi.
4-0 avec deux buts d'Harry Kane, un but de Phil Foden et de Bukayo Saka. Ouh là là, qui nous donne la réponse, hein, l'Angleterre. Ça va être la finale du groupe, hein, France-Angleterre. Une finale avant l'heure. Angleterre à deuxième juste derrière nous. À la différence de but. Écoutez, plutôt très content. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez avoir les matchs en long résumé. Moi, j'aime bien. Ça nous prend du temps, mais par contre, voilà, je voulais faire des gros matchs pour l'Euro. Et je pense que c'est plutôt intéressant justement d'aller checker toutes les occasions, parce que c'est là où on voit si notre équipe joue bien. Là, j'ai besoin de beaucoup de retours directs. On a vu gros match de Kefren et de Kamavinga au milieu de terrain, mais même s'il y a eu beaucoup de pertes de balles quand même, je trouvais que les passes étaient un peu molles au milieu de terrain. On verra pour mettre peut-être un Rabiot. Malgré tout, on va faire l'effectif. Hein. On va faire l'effectif. Leur équipe quand même. Rashford, Harry Kane, Bukayo Saka, Phil Foden, Anderson, Rice, Luke Shaw, Walker, Stones, Gueye, Pickford dans les buts. Ah, ils ont quand même une équipe assez folle. Hein. Je dois vous le dire, c'est une équipe qui vaut de l'or. Hein. Ils ont beaucoup. Ils jouent avec un Segundo Volente, attaquant intérieur, attaquant complet, milieu offensif. C'est un peu comme nous. Hein. C'est un peu comme nous. On a quand même des similitudes dans le jeu. Kanté, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Marcus Thuram. Ah, il changerait, il mettrait Kanté à la place d'un Kefren. Et un Lucas Hernandez à gauche à la place de Théo Hernandez. Match à guichet fermé contre l'Angleterre, tu m'étonnes. Championnat d'Europe des Nations, ça donne quoi pour l'instant? La Belgique a gagné ses deux premiers matchs. Écoutez, ils ont gagné face à l'Allemagne 2-0 et face à la Turquie 3-2. Tu vois, c'est la Turquie qui leur a donné un petit peu du fil à retordre. La Turquie qui a perdu face à la Norvège aussi. Ah, écoutez, la Belgique est bien, bien, bien partie. La Slovénie déjà qualifiée. Face au Danemark. Les Pays-Bas qui ont perdu face à la Slovénie, qui ont fait match nul face au Danemark. Ça, c'est une grosse surprise, ça. Ça, c'est la surprise, les gars. L'Italie, déjà qualifiée aussi, qui a gagné ses deux matchs, hein, face à l'Albanie et face à la Hongrie. Et la Croatie, qui, pour l'instant, est en ballotage défavorable. Hein. Troisième du groupe, la Croatie, 2-2, face à la Hongrie. Et qui a perdu, donc, face à l'Albanie. Ils ont perdu face à l'Albanie. Non, mais incroyable. Incroyable, l'Albanie qui joue bien. Le Portugal... qui a gagné son premier match, un match à venir. L'Espagne qui a fait match nul face au Pays de Galles. Non, ils ont fait match nul face à qui? Oui, face au Pays de Galles. Bulgarie, République Tchèque. Et nous, du coup, nous et l'Angleterre qui avons gagné nos premiers matchs. Ouh là là, quelques surprises. Quand même, après, il y a un gros groupe là. Pays-Bas, Danemark, Suède, Slovénie. C'est pas mal. C'est la Slovénie quand même qui a battu les Pays-Bas et qui a battu la Suède. Incroyable. Comme quoi, il y a des rebondissements. Après, il n'a pas trop pour l'instant de surprise. Voilà, Belgique-Allemagne devrait se qualifier. Là, pour moi, les Pays-Bas devraient se qualifier aussi. Hein, avec la Slovénie, du coup. J'espère que les Pays-Bas vont se qualifier quand même. L'Italie qualifiée, ça c'est beau. Ah, bah écoutez, il y a quelques petits rebondissements. Ça fait plaisir. Écoutez, nous ferons la conférence de presse. Et le match face à l'Angleterre lors de la prochaine vidéo. J'espère que ça vous plaît ce petit euro. En tout cas, moi, je vais prendre énormément de plaisir à essayer d'aller au bout de cette aventure. Je vous souhaite en tout cas le meilleur et une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste au-dessus. Et à voir les autres matchs dans le coin gauche de votre écran. Oui, les amis, parce qu'on a fait des matchs de préparation et c'est incroyable. Et on est aussi sur une aventure avec le TEGG, une équipe de National 2 qui est en Ligue 1 actuellement. Et on va jouer enfin la Champions League. En tout cas, ça me fait plaisir d'être avec vous pour cette petite série et je vous souhaite le meilleur. Ciao ciao, peace.